du mobilier à partir de matières recyclées depuis maintenant 2 ans. Ça a commencé avec Hugo, un très bon ami, dans son garage à faire le mobilier pour chez lui. On a fait une page Facebook Richard Cœur de Bois et Huguette la Palette pour mettre nos quelques créations. Et en fait, au fur et à mesure, cette page a pris de l'ampleur. Pourquoi les palettes? On trouvait ça à la fois joli, tendance et surtout économique. Les ambassadeurs du tri font des stands auprès du grand public pour communiquer sur le tri et la réduction des déchets. Et cette année, on a décidé de faire appel à Richard pour qu'il nous fabrique des comptoirs et des présentoirs, donc à base de palettes. On est dans un processus d'exemplarité et donc on promeut la réutilisation pour diminuer au maximum les déchets. C'est la continuité de ce qu'on explique au grand public et c'est ce qu'on met en place ici à Biltagarvi. Si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils sont dans une démarche éco-responsable. Il y a un aspect un petit peu artistique, un petit peu unique aussi, contrairement à tous les meubles qu'on peut retrouver partout. Je voulais des meubles uniques et personnalisés au salon. Et du coup, j'ai fait appel à Richard, qui m'a fait des super meubles en palette. Ce qui m'a plu, le fait que ce soit en bois réutilisable. J'ai pas un métier très écologique, donc j'essaye par de petites choses de trier tout ce que je peux trier et réutiliser tout ce qui est réutilisable. Faut pas être dans une démarche économique, mais plus être dans une démarche écologique si on veut du mobilier comme ça.